Ce comité technique est l'organe de pilotage et d'orientation qui a pour fonction d'apprécier l'état de mise en œuvre des activités, de valider les plans de travail et le budget annuel du Centre national de lutte contre le criquet pèlerin. Mesdames et messieurs, le criquet pèlerin est un ravageur migrateur transfrontalier présent de l'Afrique occidentale à l'Asie du Sud-Ouest, en passant par le Proche-Orient et le pourtour de la mer Rouge. Il est probablement le ravageur agricole le plus dangereux au monde. Espèce très polyphage, le criquet pèlerin peut élargir son régime alimentaire, en particulier dans la phase grégaire, et consommer, en plus de la végétation naturelle, une large gamme de cultures vivrières. Ils peuvent envahir et détruire de vastes étendues de cultures, laissant les champs complètement défoliés et les branches d'arbres brisées sous leur poids. C'est pour cette raison que pour l'atteinte des objectifs de production agricole fixés dans les différents plans de campagne agricole, la lutte contre les ravageurs en général et les criquets pèlerins en particulier constitue une priorité absolue. À travers le Centre national de lutte contre les criquets pèlerins, l'environnement du Mali est bien perceptible dans le domaine de la lutte anti-acridienne un peu partout. Ainsi, l'expertise du Centre national de lutte contre les criquets pèlerins est constamment sollicitée par la FAO pour les différentes missions dans les différents pays.